Oui, on a pris 20 minutes par le boss. Bon, il n'y a plus qu'à récupérer le cristal et puis rentrer chez nous. Parce qu'on n'a pas vu les... l'évaluant. Donc, alors, attends. Est-ce que ici... Il me semble que c'est à droite qu'il y a un... il y a un coffre. Ah, bah, une belle lune. Cool. Non, c'était pas ça. Ça, c'est bon. Ah, celle-là. Est-ce que ça vaut le coup? C'est ça que je suis en train de me dire. 16. Parce que celle-là, elle est vraiment pas beaucoup plus puissante que celle-là. Pour 4 points d'esprit en plus, ça m'embête. Bon, allez, on la prend. Et... voilà. Au moins, ce sera fait et... je crois en face il n'y a rien. Oh, je regarde juste. Il n'y a pas. Le poisson lune, non, c'est par l'autre côté. Bon, bah, on va chercher la. Balle. Normalement, ça devrait pas être compliqué. J'ai du mal à voir. Il y a quelqu'un! Ça me dit quelque chose, ça! Cette silhouette! Oh. Je leur parle quoi? Qui est là? Ragma? Captain! Qu'est-ce que vous faites ici? C'est vraiment vous! Je ne pensais pas vous revoir un jour! Cela fait longtemps qu'on ne s'était pas vu. Capitaine, et quelque chose me disait que vous n'étiez pas mort. Capitaine, que faites-vous au fond de Glacia? Alors, la dernière fois qu'on l'avait vu, il poursuivait, il était accroché à la baleine. Donc, quoi? Non, ce n'est pas... Mais si, que fait Ragnam ici? Suivez-moi. Ah, je vois un truc. Elle est morte? Elle est morte? Non, elle est morte. Mais elle a été gravement blessée par Pierre de Ramire. C'est une blessure mortelle. Ragnam est en train de mourir. Quand Ragnam a fui Ramirez, j'ai été entraîné avec. Mais si je n'avais pas été atteint, elle, plus totale, aurait été détruite. C'est chez elle. C'est chez elle. Capitaine, vous voulez dire que vous êtes resté seul ici avec Ragnam pendant tout ce temps? Oui. Oh. Qu'est-ce que... Vise, gardez lumière. Quoi? Qu'est-ce que... Le cristal de lune? Sûrement, ce qui voudrait dire que cette baleine, Ragnam et le gigamo. Je ne veux pas que Ragnam soit le gigamo. Le gigamo s'appelle
Belgot. Belgot. D'après les légendes, les citoyens de la Cryptère Mour ont implanté le cristal Mour dans une créature. Dans ce cas, ça veut dire que Ragnam était une baleine normale? Oui, je crois d'après la transformation de Ragnam en Gigamour, son maître périt et elle erre dans les cieux de plus. Alors, cette pauvre baleine est aussi une victime de la guerre. Mais, Captain, pourquoi êtes-vous resté ici tout ce temps? Si vous êtes venu avec le Little Jack, pourquoi n'êtes-vous pas reparti? J'ai passé ma vie à chercher un cap pour venger mon épouvant et mon... J'ai gâché toutes ces années. Ragnar m'a sauvé. Je me suis dit que je pouvais veiller sur lui pendant ces dernières heures. C'est la moindre chose. Pourquoi fait-il ce bruit? Je ne sais pas. Qu'est-ce qui ne va pas? Je suis pour toi. Ce n'est pas vraiment bon. Personnellement, je sais ce qui va se passer. C'est émouvant. Regardez, son œil. Oh non. Je vois. Il est l'heure pour toi de partir. Il est temps de rejoindre tes amis. Au revoir. Gardez. Je suis vraiment désolé. Vous avez reçu le cristal de Lunebo. Vous allez vraiment nous laisser? Pour chanter, Ragnar était ma raison de vivre. Et maintenant, je dois recommencer à zéro. À mon âge, ce n'est pas facile de perdre. Je sais, mais je ne peux pas vous accompagner. Biz, faut-il vraiment le laisser partir? Oui, nous devons le laisser partir. Je ne peux pas imaginer ce que je traverse en ce moment. Capitaine, nous nous sommes enfin retrouvés, mais il faut encore se dire au revoir. Mon garçon, tu es devenu un sacré marin. Je suis fier de toi. C'est un peu bizarre de recevoir des compliments venant de vous. Capitaine, avant de partir, je voulais vous poser une question. Vous avez dit que vous et Ragnar étiez seuls. Mais vous n'êtes pas seul, capitaine. Nous sommes restés avec vous tout ce temps.
Quelle que soit la distance qui nous sépare, nous naviguons toujours dans le même ciel. Le même ciel, les mêmes nuages, le même vent. D'une façon ou d'une autre, nous sommes toujours ensemble. Nous ne vous oublierons jamais. Oh, les jeunes, vous allez faire briller. Venez sur nous. Je vous souhaite de chance. Captain, vous avez intérêt à nous rendre visite sur l'île Croissant. Peut-être que je viens. Un jour. Adieu. Et sortez de mon jardin, sale jeu. Voilà. Donc, on a fini l'arc avec Drachma. On va sauvegarder.